Vous pouvez même rajouter de la compote par-dessus. C'est vous qui faites comme vous voulez. Et franchement, c'est trop trop bon. Et c'est super rassasiant également. Si vous cherchez un petit déjeuner qui tient au corps, ça c'est parfait aussi. Jeudi, une recette originale, ça va être un McMuffins, donc version salée pour ceux qui souhaitaient une recette salée. La voici. Dans un moule à œufs, versez l'œuf et mettez-le 15 secondes à 30 secondes au micro-ondes. J'ai fait griller des muffins, enfin un muffins complet que j'ai coupé en deux et j'ai rajouté du carré frais. Dessus, j'ai rajouté du bacon, je rajoute l'œuf. Je rajoute une feuille de salade, encore une tranche de bacon, et du coup, je remets le muffin. Et voilà, tout simple, encore, très rapide à faire, et tellement bon, vous pouvez rajouter un autour, vous pouvez mettre de la salade, de la carotte, etc. Ce que vous voulez, ou même un fruit. En tout cas, c'est extrêmement bon. Riche en protéines et très rassasiant. Pour vendredi, j'ai fait un tiramisu, mais vous allez voir, ça va être encore très très simple. Alors, dans un bol, vous allez mettre deux Weetabix. Vous rajoutez du lait. Alors vraiment à niveau, pour bien faire fondre les Weetabix, vous rajoutez du cacao non sucré, une cuillère à soupe, et on mélange. Alors je rajoute du sucre vanillé. Une verrine, eh bien, on va d'abord mettre comme vous voulez, soit vous mettez le Weetabix avant, mais moi j'ai préféré mettre l'autre préparation, donc le fromage blanc avant, ensuite le Weetabix, ensuite le fromage blanc, ensuite le Weetabix. Voilà, c'est ce qu'on va faire sur tout le long jusqu'à remplir la verrine. Et on rajoute le cacao non sucré dessus. Et voilà, un super tiramisu tout simple. Vraiment tout simple à faire. Et vraiment extrêmement bon, gourmand, équilibré. Peu de points pour ceux qui font Weight Watchers. Franchement, c'est trop trop bon.
frigo pendant toute une nuit. Alors 2 heures minimum, mais moi je le mets vraiment la nuit.